Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va retravailler sur notre connecteur, nos outlets, et on va essayer de l'animer un peu plus, voir ce qu'on peut faire. On va travailler ça aujourd'hui. Ok, exit area, c'est exactement ça là. Donc mon outlet, il est là. Et ben, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. J'ai pas encore fini. Oh, ça c'est trop bien qu'ils aient fait ça. Recharger. Yes. Voilà, bon, vous vous souvenez, hier, ici, j'avais commencé ça avec la texture. Ah voilà, on la voit bien avec le bruit. C'est cool ça. On va regarder ce que ça donne. On n'a pas fini. Hein. Bon. J'attends, ça met du temps, dis donc. Alors? On attend. Est-ce que ça charge? Non, toujours en cours. Oui, Dale, mais tu viens pas, s'il te plaît. Non, non, non. Toujours pareil, la première fois ça fonctionne pas. Bon, dis donc, ça veut pas la sœur. Je vais regarder juste la partie MS Build. Oh, génial ça. C'est cool, on peut voir, j'avais pas fait attention la dernière fois. Je sais plus si t'es vraiment présent. Bon, j'espère que ça fonctionne. Au moins, au bout de deux fois, ça fonctionne quand même. Faut t'y arriver. Allez, tu peux le faire. Oui, c'est bon. Non? Ah, il y a vraiment un plantage quelque part. Ah ouais, donc en fait, c'est normal. Ok. Donc l'animation player ici est nul. Ah, mais ouais, parce qu'elle exit dès le début en fait. Ben ouais, je suis tout au début, donc j'ai exit. Donc clairement c'est pour ça. Parce que là je l'avais ajouté mais ça fonctionnait pas. Donc si je fais ça, peut-être bien, non? Donc le point d'interrogation en C-Sharp ça permet de dire si c'est nul, je fais pas, si c'est pas nul, je fais. Ok. Bon. Non, bon, ça va être bon là. Ouais, voilà. Ok, bon, on va faire un add, ce sera quand même plus simple. Ici, là, on va se mettre là, on fait un add, voilà. Yes, et l'idée, bah, c'est si je me barre, ça se défait. Voilà, puis après, on verra pour se mettre au-dessus, parce que pour l'instant, on est en dessous. Histoire de Z index. C'est quand même sympa, le petit effet. Ok, bon, on voit ça tout de suite. Donc là, je vais créer mon animation. Vous vous rappelez comment on fait? On va sur l'outlet, ici, on prend l'animation player. Là, j'avais l'incoming. Puis ben, du coup, je vais créer une deuxième application, une deuxième animation, pardon. Je prends le nom, je l'avais mis quoi? Exit connector. Voilà. Ok. Et du coup, ici, je vais ajouter une piste de propriété. Je vais faire quoi? Ben, mon sprite que je vais essayer de bouger. Voilà. Et là, je vais prendre un scale. Voilà. Alors, ben je vais partir de la taille initiale. Donc là, si je prends le incoming, cette taille-là, c'est 1,1. Et je vais le faire redescendre à la taille 0,20, 0,285. Voilà. On va voir si c'est mieux comme ça. Voilà, 100%, qu'est-ce qu'il nous donne? C'est pas mal ça. Donc, on va tenter, c'est-à-dire que si je me remets sur incoming exit ici, je vais en rajouter une clé là, voilà. Cette clé-là, 0, 2, oh, c'est super, elle a tout compris, génial. Et là, je vais être à 1, 1. Voilà, ici, je vais être à 1, 1. Déjà, on va voir si ça marche ça. Voilà. Et du coup, on va la passer en 0, en 3, ici. Ok, et du coup, on reteste tout de suite. Voilà.
On va ajouter un item. C'est cool, je fais ajouter, ok. Et je m'en vais. Waouh. Ouais, en plus l'effet il est cool. Ouais, en fait je vais le garder comme ça quoi. Peut-être faire une accélération à la fin. Ouais, c'est classe. J'aime bien. Vous en pensez quoi? Vous me direz. Voilà, donc je m'en vais. Ouais, c'est pas mal. Peut-être un peu long, je dirais. Peut-être un peu long dans l'animation. On va essayer de régler ça. Je vais peut-être faire ça ici. Faire une animation comme ça. Peut-être de 0.6, ça peut être pas mal. Voilà. Ok, et du coup, ce que je voulais tester, j'ai encore jamais testé cette partie-là. Je les connais pas encore totalement. Continue, discret, déclencheur, capturé. Je sais pas ce que ça veut dire, ça. Je vais voir ça. Donc déjà, on va retester ça. Ok, on reteste, on clique. Ouais, c'est bon. Je m'en vais. Ouais, c'est mieux. C'est pas mal. Et si je lâche, faut qu'elle se retrécisse, mais... Donc ça, c'est le seul truc, c'est comment je vais faire pour lâcher, c'est le seul point, bah, c'est ce que je vais traiter là. Ok, on se déplace, youpi, j'en récupère. C'est cool, j'en ai deux fils. Donc, ah ouais, par contre, ça c'est peut-être un petit bug, parce qu'en fait, je suis en train de déplacer les deux fils. Ça, c'est peut-être un point que je vais voir, c'est-à-dire que, ici, là, je suis en train de déplacer deux fils en même temps, ça se voit pas, mais... Voilà. Ça c'est pas cool. Vu que je prends la connexion, je suis en train de déplacer, donc peut-être qu'il faut que je les décale. Ici. Ah. Ok. Ah, c'est pour ça. Ok. Si je fais item. Génial. Génial. Bon ben voilà. C'était pas du tout prévu, mais l'effet est bien. C'est cool. Classe. Par contre, ce n'est pas du tout prévu, mais c'est pas mal. Cool. Bon, on arrête de s'amuser. Ok, donc maintenant, nous, ce qu'on veut faire, c'est que si je me branche là, c'est pas mal, je m'en vais, ça fait ça. Donc maintenant, ça, c'est validé. Donc déjà, ça, je peux commit. Ça, c'est cool. Je peux commit. Ici, je fais un commit, explorer. Ici, je me mets là, Team Explorer. Ok. Je me mets ici en feature. Donc, outlet. Exit connector. Animation. Down. Ok. Donc maintenant, on va faire une autre animation qui va être... Comment savoir quand j'ai lâché? Parce que là, c'est super, mais comment savoir que je suis dessus? Donc, chichi. Quand j'enter, je fais l'animation. Et comment je sais que je reste dessus? Ça va être la question. Je vais faire ça déjà, private void restart. Restart. Key. Voilà. J'aime pas la répétition de code. Voilà. Ok. Voilà. Voilà. Voilà, c'est mieux.
Je commit. Bah tiens, je vais vous montrer un petit rebase i là pour vous montrer, ça peut être sympa. Donc là j'ai fait deux commits, en soi je trouve sympa. Alors soit j'annule mon dernier commit, ce que je peux faire, je fais un reset. Soit je vais vous montrer avec le rebase i, je sais pas si vous avez déjà fait. C'est un côté très pratique dans Git. Donc là ici, si je me mets là, outlet, refacto. Voilà, donc là je fais mon commit, puis je considère que ces deux commits en fait ils vont ensemble. Comment je peux faire ici? Ben regardez, je prends mon git ici, je vous fais un clear pour voir mieux. Là ici je vais faire un git rebase de head, donc c'est là où je suis, la tête de lecture, et je vais la remonter de 1, ici de 2, voir déjà comment il va prendre, pour que je puisse prendre le mettre. F. Ok, super, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Voilà, mon origine du coup est déplacée. Ah, ok, c'est pas du tout ça, il manquait le tiré i. Mon origine est là. Bon, donc c'est bon, il n'y a pas de problème. J'ai bien mes deux commits. Q, git, je vais remonter, il manque juste un tiré i, rebase i. Voilà, ça me prend là et ça me dit, écoute, j'ai deux commits. Est-ce que tu les gardes ou est-ce que tu les vires, etc. Et du coup, lui, je peux dire squash. Donc, lui et lui vont être ensemble. Donc là, si je fais start rebase, donc là, j'ai bien les deux. Ok, super. Mais je le garde parce que, somme toute, comme ça, je saurai. Je saurai ce que j'ai fait. Voilà. Là, je ferme. J'ai fermé, regardez. J'ai fermé. Et là, si je fais un git log, est-ce que je l'ai d'ailleurs, git ll. Ouais, c'est ça. C'est comme... Bon, après, il faut aimer les couleurs bleues, tout ça. Mais regardez. Et je suis où? Attends, je vais faire un clear. Q, clear pour mieux lire. Voilà. Donc là, j'ai exit connector animation is down. Et ben voilà, j'en ai qu'une. Voilà, j'en ai qu'un maintenant. Voilà. Très pratique cette partie-là. Ok. Ok, ça c'est cool. Donc maintenant. Faut que je vois comment je peux faire, comment je peux savoir que mon connecteur, je l'ai déposé dessus. Donc mon area quand même pas, c'est ok. Mon area ici c'est cool, mais comment je sais? Donc là je suis bien sur l'item. Pickable, ok. Je pourrais même faire changer le son, ça peut être super. Je pense que d'ailleurs on va faire des sons électriques comme ça là. Area. Ou alors, je pense que le untered, c'est peut-être pas l'untered, ça va être le mouse. Mais non, c'est les areas, c'est deux areas qui vont se rencontrer. Ce que je peux faire, c'est me dire. Quand j'untered, c'est que je suis dedans. Il faudrait que je sache que j'ai relâché ma souris. Bah, je vais essayer de prendre ça. Ouais, on va essayer de voir ça. Ici, donc là, je vais faire un private. Voilà. Oui, je pense que ça peut être pas mal. Alors... C'est ça. Electric connector. Internal. C'est input. Voilà, c'est ça. Faut que je récupère ça. De toute façon, du coup, je suis obligé de récupérer ça. Ça, c'est normal. Voilà. Je me mets là. Et là, je me mets là. Donc là, ça, c'est bon. If... button event différent de nul. Du coup je vais faire un gd print
clique. Ah mais non, ça marche pas. Est-ce que je pourrais lâcher n'importe où en fait? C'est pas que sur mon arrière. Ah si, je réfléchis. Si, c'est ça. Là, je vais faire clic. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. On va voir. L'idée, c'est vraiment de réussir à détecter que quand je le relâche et que je suis bien posé dedans, tout est OK. Donc là, si je fais un add item, je fais ça, échappe, le voilà. Voilà, si je lâche, il me fait quoi, lui? C'est quand je lâche le clic. Donc ça, ça marche. Mais... Donc on voit bien que là, il détecte ça. C'est cool. D'ailleurs, j'ai des petits débuggers. Je vais voir quand même ça. Ah oui, c'est les SICK. Ça peut l'air de plaire quand il est déjà au zéro. C'est pas gênant, ça. Ok. C'est quand je relâche. C'est quand je relâche et dans mon connecteur, mon movable electric connector, j'ai compris d'où vient mon autre bug d'ailleurs, que des fois ça clique pas. En fait, il a changé mon drag. C'est bien le booléen, mais je pense qu'il y a un bug là-dessus. Petite parenthèse. Je vais mettre là. Donc comment je peux savoir ça? Donc là, il est bien lâché. J'aime bien l'effet. Ok, là, il est bien lâché. Et ce que je veux, c'est que quand je sache que je lâche mon clic. Ce que je peux dire, c'est que... Non, il faut vraiment que je sache. Je pensais à un truc, c'est que si ma souris s'en va, il se verrouille. Mais c'est pas ça, c'est vraiment quand je le lâche qu'il doit se verrouiller. Donc, on va chercher ça... chercher ça. Alors, comment on peut faire? Mouse Godot. Bah voir, j'avais déjà recherché un peu. Mais j'aimerais bien avoir l'info. Ah. Ok. Ok. Donc... Tu me dis que c'est input point c'est quoi is action. Oh, mais voilà, mais voilà. Et en plus il dit quoi lui? Clic du coup. Ok. Donc là, a priori, on serait là, quoi. On va voir. Bon, c'est bien de faire t'aider, mais quand on connaît pas trop, au début, il faut quand même apprendre. Et cette partie-là, je l'avais pas encore gérée, donc on va voir ça.
Je vais mettre là. Voilà. Je vais faire un dictem. Je fais ça. Échappe. Ah ou. Qu'est-ce qu'il me dit là? Request for nux input map action click. Et mon avis, c'est ça. Je sais pas si vous connaissez cette partie, je pense que c'est ça. Action release. Copier l'erreur. T'es pas obligé de tout me copier quoi. C'est bien pour du des issues mais comme. Alors. Ah c'est bien ça, c'est des actions. C'est bien ça. Et là, je fais clic mouse. Alors, cherchons, cherchons. Lui accepte. Oui, mais c'est pas ça que je veux. Moi, je veux une action. Quand je relâche. Alors, ça voudrait dire quoi? Qu'il faudrait que j'en crée une? Ici. La release, plutôt. J'ai jamais testé ça, on va voir. Comment on fait? Plus. Bouton de joystick, bouton de souris. Ah ouais! Bouton de gauche. Ah! Oh, je l'ai jamais fait. Il faut tout, hein. Ok, on va tester ça, donc c'est release. Du coup, ça a l'air d'être en minuscule. J'essaie de faire un mouse release, peut-être comme ça. C'est peut-être plus propre. Ok, on va essayer. Mouse release. Bon. Peut-être c'est ça. Donc je me mets là. Je fais add. Je fais ça. Je fais ci. Je fais ça. Ok. Slack. Ah, par contre, je l'ai deux fois. Pourquoi? J'ai double clic. What? Alors, je vais me faire un deep debug. Ok. Pourquoi deux fois? What? Pourquoi t'es deux fois? Attends. Est-ce que je l'écouterai pas déjà? Nine? Pourquoi c'est deux fois? Donc ça fonctionne. Mais je l'ai deux fois, quoi. Ça marche, mais je l'ai deux fois.
Ben moi, je peux vous dire que j'en sais strictement rien. Pourquoi tu serais deux fois, alors que je m'y suis attaché qu'une fois? C'est-à-dire que je passe deux fois sur mon area. Ok, je lâche. Je l'ai deux fois. Bon, on verra ça après. Déjà, on va finir notre travail. On verra après. Je vais le marquer là. On verra ça après. Déjà, on va tenter pour ce stream de ce soir de faire quoi? Mon area. Ici, d'ailleurs, on va essayer d'augmenter un peu elle. Du coup, ce que je crains, c'est que. Voilà. Du coup, voilà mon area. Parce que si ça s'agrandit et puis que. Ce sera pas chouette, je vais mettre là. Ma porte logique. Non, c'est pas chouette. On va essayer de faire à peu près à la même, quoi. Ouais, ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà, cool. Du coup, c'est celui du milieu, c'est celui-là. Ouais, voilà, c'est un peu plus clean comme ça. Ouais, parfait. Ouais, parfait. Enregistré fermé. Oui, et je veux. Qu'est-ce qu'il me fait? What? Mais. Je t'ai pas dit de partir. Qu'est-ce que tu me fais? Oh, mais alors? T'ai pas demandé. Ok, on va attendre que ça charge. Ah, ça, c'est plus rapide que sur mon PC portable. C'est cool. Source, app, gamescene. Yes. Yes, ok. Donc là on est bien, si on zoome on est bien. Ok. Donc là on va se faire ça, ça, on va faire ça, voilà. Donc il est là. Et donc l'animation c'est que s'il est verrouillé... S'il est verrouillé, j'ai changé son état. Déjà ça, je vais le reprendre là. Ok, mais il sert à rien. Est-ce qu'il faut que je les ajoute à côté? Puis du coup, je vais faire un private animate connected area. Voilà, donc ça, c'est quand il est bon. Je vais aller déclencher. Celle-ci, contrôle D. C'est pas du empty, c'est du connected. Voilà. Et du coup, je vais rajouter ici une autre animation qui va être incoming et la connected. Connected. Voilà. Et du coup, bah, je vais faire la même chose. Après, ça va être bon. Je vais faire un change state. Ce que je crains, c'est que ça anime deux fois. Voilà, et on s'arrêtera là pour ce soir. Mais déjà, ça a bien avancé, c'est cool. Avec ça. Et j'avais jamais fait l'autre partie, c'est classe. Voilà. Ok, on va faire une animation. Donc là, on va essayer d'imaginer une animation assez sympa. Donc on avait dit quoi le nom? Connected. Ok. Donc là, je vais rajouter une animation. D'accord. Donc ajouter une piste, piste de propriété. Je vais faire sprite. Scale. Voilà. Insérer la clé. Insérer la clé et du coup je vais repartir sur mon exit
Oui, il se met à 0,80. Voilà. Je vais peut-être le faire un tout petit peu plus gros pour montrer, je pense. Ça peut être bien. Voilà. Et là, je vais faire un 0,35. 0,35. Voilà. Ok, ça accélère. Ok. Voilà, ça c'est cool. Et après, du coup, je vais le verrouiller. Donc, je vais le faire tourner. Ajouter une piste, sprite. Et du coup, c'est quoi? C'est... C'est quoi? On va regarder. C'est rotation degree, c'est ça. Et du coup, ici, j'ai pas de 30. Ah, mais normal, parce que... Yes, pas mal ça. Du coup, je peux mettre 0,25, 0,25, et là, je vais faire un 0,35 juste après. Cool. Peut-être étaler un tout petit peu. C'est pas mal ça. Voilà, c'est pas mal, je trouve. Ouais, pas mal. Amazing. Bon, bah, on va voir. Donc là, si je me mets tout au début. Voilà. Et que je relance. Bon, tant pis, ça fait deux fois, parfois je comprenne pourquoi. Mais je me dis déjà, ça peut être pas mal. Yes. Ouah, bah oui, ils sont trop grosses. Ouah. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me suis amusé dessus? On va voir. Exit. Incoming. Ok. Ah oui, c'est qu'il a pris celle de base. Ou alors c'est qu'il y a encore des soucis de collision. Le bidon, ah non, ils sont pas en collided, ils sont pas en collided. Ah si, là ils sont en collided. Voilà, on va voir. Voilà, c'est pas mal à ajouter. Et donc, si je fais ça, échappe, je fais ça. Trop bien. Ah! Par contre, classe impeccable, ça se valide. Par contre, on le voit faire. Je reviens tout petit alors qu'il n'y a aucun intérêt. Là, l'effet est sympa, l'effet est sympa. Je me mets là, ça se valide, c'est parfait. Je me mets là, il doit pas faire bing.
Donc, faut que je sache quel est le dernier état avant. Et que je choisisse l'animation. Ça va être ça. Bon, on va finir par là aujourd'hui. Bon, c'est bien déjà, c'est cool. Ah, il est piqué, bah lui. Bon, ça marche pas, mais. Si je te pique. Ouais, je vous ai piqué tous les deux. PKM. Ah oui, c'est vrai que je pourrais faire ça. Trop bien. Ça, c'est cool, il y a juste ça. Ouais, je sais pas. Non, ça fait quand même bizarre. Et là, je m'en vais. Boot. Donc là, c'est OK. Boot, parce que je suis attiré. OK. OK, validé. Zup. Ouais, clair. OK, déjà, je valide ça. Cool. Outlet connected animation is done. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Et du coup, faut que je récupère le dernier état. Donc ça c'est là. Private last state. Voilà. Donc là ici 10.newState. Attends, faut aller voir, ça se trouve j'ai déjà. Ah bah c'est connector state. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre là. Je vais montrer. Ah, voilà, sur le basique. Et je vais aller le chercher ici. Voilà. Non, je vais même le mettre en. J'ai pas besoin en fait. Parce que je l'ai, il est là. J'ai pas besoin. Non, c'est en fait ici. Je l'ai. Ah oui, si. Si, si, si. Je vais en avoir besoin. Last state. Voilà. Voilà, je l'ai là. Et du coup, comme ça, ça me permet de faire quoi? Ça me permet de me dire. Que je vais pouvoir faire une animation ici, donc là faut que je le vois. Je vais mettre un to-do ici, puis de toute façon faut que j'y aille là. Ouais. Ah, c'est cool, j'ai pu streamer plus longtemps, c'est pas mal. Bon, en tout cas, ça me fait plaisir. Pour partir en week-end, donc là to-do. Detect. Animate. Change animation key flowing up to last state. Voilà. Ok, je ferai ça et puis ça sera bon. Allez, go, go, go. Outlet. Connected animation working.
Voilà. Eh bien, on aura bien avancé ce soir, c'est très bien. On va envoyer nos trois commits ici, parfait. Voilà. On a géré les backpacks, on a fait ça. Bon, juste ça là que c'est un peu moche. C'est dommage. Il y a un petit souci là, c'est dommage. Voilà. Là aussi, c'est un peu zarbe ça. Ah, il y a du bordel. Là. Il y a du bruit. Bon, c'est pas grave. Ça commence à être plus propre quand même là. Ok, on est cool. Allez, je vous laisse. C'est cool, ce soir on a bien avancé. Je vous souhaite une bonne soirée. Bon week-end, demain moi j'avance, je pourrais pas streamer, on se retrouve lundi soir, même heure, même port, 17h30 là, 35 hein, grosso modo, je finis à 17h30. Ciao, codez bien et jouez bien.